Shalom, peuple de Dieu, je me présente, je m'appelle Sœur Béatrice et je suis dans la joie de pouvoir vous partager une nouvelle révélation par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ sur le sport et musculation. Je lis la révélation au nom de Jésus. Amen. On va commencer par la musculation. La musculation, c'est modifier le corps. Dieu n'aime pas ça. Dieu nous a donné un corps. On ne doit pas le modifier. Une fois les muscles gonflés, il y a un esprit d'orgueil qui est là. Quand ils font de la musculation, ils font pratiquement pas habillés et c'est pas de Dieu. Le sport, c'est faire des positions malsaines et qui sont pas décentes. Parlons des tenues de sport qui sont ultra sexy et moulant. Les sports comme la musculation, c'est pas décent. Que c'est pour les femmes, que ce soit pour les femmes que pour les hommes. La marche, c'est bien. Ça fait faire de la marche, c'est excellent pour la santé. Et c'est très bon pour le cœur et pour la circulation du sang. On dit que le sport est bon pour la santé, mais c'est des mensonges du diable. Car avec le sport et muscles, beaucoup de problèmes cardiaques ou alors des problèmes musculaires. Si le sport était bon pour la santé, pourquoi les grands sportifs prennent leur retraite aussi jeunes? Les tenues de sport et chaussures de sport plus les positions pour faire le sport, tout ça ne vient pas de Dieu. De même pour la muscule, on ne modifie pas ce que Dieu a créé. Toutes ces choses sont malsaines. Les tenues sportives, ça montre beaucoup trop. Les formes, les positions sportives, ça montre beaucoup trop les formes aussi. C'est vraiment malsain et c'est convoitise car ça attire l'œil. Que le Seigneur vous bénisse à travers cette révélation, que toute la gloire revienne à Dieu. Amen.